Je dis à nous à continuer à parler sur ce sujet ça que nous avons parlé, et ça fait longtemps, parce que c'est l'île message ça que nous gagnons, côté que nous toujours à enseigner sur la fin des temps ou la fin du monde. On voit que c'est eschatologie, on voit eschatos signifie dernier, logos qui signifie parole, étude ou bien discours. On voit c'est discours sur la fin du monde ou la fin de temps. Pablo, nous t'ai parlé de eschatologie cosmique, nous t'ai parlé de eschatologie individuelle, nous t'ai parlé qui ça yoyé eschatologie cosmique là, les parler sous jugement dernier, sous la fin du monde, sous la fin des temps, les parler résurrection aussi. Mais eschatologie individuelle, les parler sur la vie après la mort. Avant de parler de ça, il mettait accent sur le Sheol et Hadès. Avant de mettre accent sur ça, alors que moun qui mourit sans Christ là, qui côté moun s'abrali après la mort? Avant après la mort, qui côté moun s'abrali? Il y a une première étape pour atterrir la donne. Il y a une première place pour atterrir la donne. C'est le Sheol ou Hadès qui c'est séjour des morts, mauvais séjour des morts. Et nous toujours dit que dans l'Ancien Testament, tous les êtres humains qui ont été pas bon Dieu, ne pas bon Dieu, ou fait même direction, mais différentes places, ou mauvais séjour des morts. Et les gens qui ne pas. Pour bon Dieu, à la donne, et puis bon séjour de moi, c'était le Saint d'Abraham. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, nous, en tant que chrétiens, nous allons nous mettre tête en l'air. Nous allons dans la présence de Dieu. Nous avons versé pour toute barrière. Nous allons dans la présence de Dieu. Nous pouvons rentrer. Nous pouvons rentrer dans le ciel, mais nous, dans la présence de Dieu. Ça fait que lorsque Jésus-Christ est venu, il allait dans les régions inférieures de la terre. Là, il fait plusieurs travail. Il y a un travail que il fait. Tous les anciens, tous les cellules de tous les temps, les montent avec eux. Ça fait que lorsque les gens mourent en Christ, les gens ne savent pas faire tête en bas. Quoi? Ils ont déposé de l'autre côté. Il faut reconnaître ça. Lorsque les gens mourent, qui ont été chrétien ou pas chrétien, corps aller en côté, esprit aller en côté, esprit en monde qui va converti à celle même qui aller dans Sheol ou bien Hadès, mauvais séjour des morts, c'est là l'aller à quel lieu de tourment. On va monde aller là, les attendre jugement dernier. On va dans Apocalypse chapitre 20 verset 11 jusqu'au verset 15. On va les attendre jugement dernier après jugement dernier. Dans le verset 15 dans Apocalypse, il dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté qui côté dans les temps de feu, avec l'enfer plaça la Bible comparé comme un état de femelle plus que ça, oui. Et la Bible bon nous quelques descriptions de l'enfer que moun qui mourit déjà yo sans Christ yo pour coffre rentrer dans l'enfer, yo n'a yo pris l'enfer qui c'est mauvais séjour des morts. Et puis nous mêmes qui en Christ, lorsque nous mourons, comme ça, nous déposons un côté, nous mettons dans ce cœur-là, nous allons dans le trou aussi, même si j'avais une qui va convertir, mais vrai ou même, esprit nous, on va ne pas aller dans le mauvais séjour des morts, nous aller dans le sein d'Abraham qui est la présence de Dieu. On dit merci Seigneur. Alors, nous allons continuer ensemble avec la grande disparition de l'Église. La grande disparition de l'Église, il y a une question matière que nous avons pour nous poser. Pourquoi l'épouse sera-t-elle enlevée? À qui l'épouse représente l'Église? On va symboliser l'Église. Pourquoi l'épouse sera-t-elle enlevée? Nous avons partagé un verset ensemble avec vous pour comprendre tellement épouse là, qui c'est l'Église là. C'est Apocalypse. C'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, le verset
le verset 7, pour saisir pour ça, parce qu'il parlait du thème ça. Et il dit dans Apocalypse chapitre 19, le verset 7, il dit réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Parole ça, c'est dans le ciel là. Parole ça, répétez. Mon cap avec type de monde qui a parlé là, il a parlé avec les anges. Il a parlé à Roman, les anges doivent être réjouis parce que il y a l'autre monde qui est pour. La belle église Roman, là on passe avec ça. Même anges dans le ciel, vrais anges, qui côté bon Dieu est dans le ciel là, Roman attend l'église. Amen, oui. Attendre l'église parce que par le bon époque, par le bon moment donné, c'est pas seulement Zangio cap devant le grand, cap devant le trône de Dieu, cap devant le Seigneur Jésus-Christ dans le ciel, mais l'église épouse-la, Christ attend nous qui pour nous devant trône aussi pour nous, bye mon Dieu, gloire, il dit réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Mouniabal gloire là, c'est l'agneau qui a été immolé, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Dieu des dieux. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Ça veut dire que les anges abaillent Jésus-Christ gloire dans le ciel parce que il dit, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse se prépare. Épouse là, c'est l'église. Pral guion noces dans le ciel, yon festé dans le ciel, c'est avec l'église. L'époux, l'époux vient chercher l'église. Tenez bien, oui. L'époux de l'église, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'époux, l'église, c'est l'épouse. Ah, la Bible, expliquez-nous. On va là, lorsque Christ est pour venir chercher l'église, c'est la première partie, on va là, c'est la première partie ou première phase, on va là, de la seconde venue de Jésus-Christ. Première partie ou première phase de la seconde venue de Jésus-Christ. Avant la grande tribulation, Jésus-Christ enlève l'église. Tenez bien, avant la grande tribulation, Jésus-Christ enlève l'église et puis après la grande tribulation, ça va passer. Jésus revient sur la terre avec l'église. Vous voulez pour saisir ça? Même si vous n'avez pas saisi tout le message là, ça pour saisir. Avant la grande tribulation, Jésus-Christ a passé par l'église, a venu chercher l'église et puis après la grande tribulation, la vie avec l'église. Mais question nous, pour qui ça que Jésus-Christ a vienne chercher l'église avant la grande tribulation. Considérez verset ça, 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 9 jusqu'au verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 9 jusqu'au verset 10. Mais ça le dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 9 jusqu'au verset 10, il dit car on raconte à notre sujet. Quel accès nous avons eu auprès de vous? Et comment vous êtes convertis à Dieu? Mon converti là, mes bien-aimés, sont gros bagages. Ce n'est pas tout le monde qui est dans l'église qui convertit. Tenez bien. Mon n'a pas pasteur, mais lui pas converti. Pas oublier aussi que conversion, c'est un processus qui est lié. Avant ou pas converti, il y a un seul coup. Ce n'est pas tout le monde qui est dans l'église qui convertit. Il doit bishop, il doit n'importe qui est lié à. Et il doit pas convertir. Il dit, et comment vous êtes converti à qui ça? À Dieu. Ou converti à Dieu. Là, il va parler de conversion. C'est une sorte de renoncement de tout le bagage que vous êtes attaché avec vous avant. Ou te la vie ou à Jésus-Christ, et puis ou après retirer ou nan yo graduellement. Comprenez? Chaque jour. Man, parce que conversion, il y a plusieurs étapes là-dedans. Comprenez? Moun qui prend le ciel là, conversion li progressive. En d'autres termes, li continuelle.
les journalières chaque jour. Amen. Conversion, comment faire à qui ça? À Dieu. Ou converti à Dieu. Ou pas converti à pasteur. Mais ou converti à Dieu. En d'autres termes, nous devons prendre exemple. Lorsque nous avons l'argent, Amérique, on peut aller à Haïti ensemble avec elle, les convertir en good. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Ok. Ou un monde qui a gagné l'argent haïtien, là, si nous avons ensemble avec lui, les convertir en perso. On va? Ah bien, c'est comme ça, c'est ça conversion. Ou convertir yon bagay à l'autre bagay. On va? Ah bien, c'est ça. Ou convertir à Dieu. Et puis, en abandonnant, ouais, mon petit utilisé, et comment vous êtes converti à Dieu en abandonnant ça, les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ok, conversion, c'est une sorte de abandon ou abandonner les idoles. Les idoles, pas seulement représenter un faux Dieu, comme c'est un doute pour Satan, c'est faux Dieu et d'autres. D'autres dieux que la Bible parlait, amen. Et ou capable de prendre une chose comme une idole, une bagaille qu'on possédait, une machine, ou capable de prendre madame comme une idole petite, en n'importe bagaille qu'on possédait, une capable une idole. Amen. Même genre, moun fait Satan, une idole, amen. Pour y avoir moun qui prend sur les lames comme une idole, amen. N'importe bagaille qui existait. Au bon monde et utiliser le comme une idole, au bon, et la Bible parle de ça, et puis la Bible dit que monde ça yo abandonné, et puis pour servir qui ça, le Dieu vit, le Dieu vivant. Bon Dieu n'a pas ses grands, c'est un bon Dieu qui vivant. Et puis verset 6 dit comme ça que, et pour attendre des cieux sans son fils. Ok, monde qui a enlevé yo, c'est monde qui attend yo ba. Il y a tant de personnages. Personnage ça, c'est le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il a ressuscité des morts. Amen. Jésus qui nous délivre de la colère avec venir par son trait. Mais pour qui ça? Amen. Mais pour qui ça? Jésus enlève l'église afin de la préserver. Amen. De la colère à venir. Jésus-Christ a enlevé l'église pour capable préserver nous de la colère à venir. Colère à venir ça. La Bible fait connaître que c'est la grande tribulation. Jésus-Christ utilise le terme ça pour grande tribulation. Les théologiens et d'autres serviteurs nous utilisent le terme tribulation parce que terme tribulation et grande tribulation. Et ça, il y a une raison qui fait ça parce que dans la grande tribulation, il y a deux parties là-dedans. Une première partie est 3 ans et demi et partie ça. Tribulation qui c'est tripsis, ok, angoisse, calamité, là, la colère de Dieu pourra le venir sur l'humanité, bon, sur les peuples juifs et l'humanité en général, tout le monde qui va enlever. Au milieu de la tribulation, partie ça, bon, la théologie relève la grande tribulation, bon, ok, grande tribulation signifie méga tripsis, ok, une grande calamité qui peut jamais exister. Sur la terre, depuis que le monde lui-même lui existait. Okay? La grande tribulation, mais pour qui raison que Christ est pour le passé, prend l'église. Et pour attendre des cieux, son fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. De pourtant, l'église, Christ fin prend l'église. Lui monte avec l'église. Mais bien aimé, même côté à l'homme est pire. La Bible parle de ça, ne pas le considérer dans l'autre verset. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 jusqu'au verset 8. Il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Mystère veut dire, signifie avec des choses cachées. Comprenez? Il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu. Là, on parle là de l'église. Ok, nous prenons là, faut comprendre le mot enlèvement, plus bien toujours, tout à l'heure. Et puis il dit, dans le verset 8, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle
de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Ça fait que l'homme est bien pour qu'on fait apparition. Il y a un monde qui est sur la terre. Monde ça c'est l'église. Lorsque l'église, Christ, filme par l'église, nous enlever, nous aller. La Bible dit dans le verset 8, et alors paraîtra l'épée. Hein? L'épée, c'est la bête. La Bible parle de ça dans Daniel. Il parle de ça dans Apocalypse, dans plusieurs passages. Apocalypse chapitre 13, chapitre 14, Apocalypse chapitre 19 et 20 aussi. Il parle de Betsa. Betsa, on dit que l'antéchrist. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Le Seigneur Jésus-Christ vient pour détruire un pisa. Avec ça, avec un souffle bouche, lorsque vous regardez, on va nous confirmer ça que la parole de Dieu dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7, 8. Pour confirmer, gardez ensemble avec moi dans Apocalypse, qu'on y a, chapitre 19, le verset 19 jusqu'au verset 21. Il dit, et je vis la bête et le roi de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Ça, c'est la seconde venue, de la seconde venue de Jésus-Christ. Et puis il dit, et la bête fut prise. Bête, ça parlait là, c'est de, c'est antéchrist et puis faux prophète. C'est deux bêtes, antéchrist et faux prophète. Et la bête fut prise et avec elle, le faux prophète. Le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ok, mon cap prend marque de la bête là, c'est dans grande séduction. Il apprend, c'est mon que bête là séduit. C'est là ça, mon cap prend marque, bac, moi, marque bête là. Faut séduire d'abord. Et puis, il y a un faux prophète là séduit avec des prodiges, des miracles. Et puis, qu'on est là, au fin de séduit, qu'on est accepté. Ou qu'on c'est mon ça qui est vrai Dieu. Hein? Et puis, ou tout déjà là. Et puis, il dit, ils furent tous. Les deux jetés, qui côté, vivant dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de la chair. Dans le verset 21, là, il y a parlé de jugement des nations et le grand festin des dieux. Vous voyez que les oiseaux, ils ont pral mangé. On va dire, cher Moun Sayo, lorsqu'on considère le verset 18, il dit, afin de manger la chair des rois, la chair des militaires. On considère le verset 17 là pour capable, le grand festin de Dieu, il dit, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez rassemblez-vous, là, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. En d'autres termes, nous parlons à Dieu, nous avons parole dans la bouche seulement, nous voulons montrer au qui côté écrit. Okay? Le grand festin de Dieu, mon sayo, les oiseaux du ciel, ils ont rassemblé afin de manger la chair de qui ça? La chair des rois. Ok, il y a un pile roi ouais, sur la terre actuellement là. Qu'a battu l'estomac, qu'a frappé koyo, depuis qu'on va accepter Jésus-Christ. C'est le type de monde, ça y est. On voit que la Bible a parlé là. La chair des chefs militaires. Et lorsqu'on regarde dans le monde entier, ça que ouais, il y a des pays, lorsqu'on prend pays ça, ouais, il y a des chefs militaires, des militaires, des soldats, ils sont très puissants. Si on va avec Christ, la vie, on voit que le monde, ça y est, on voit qu'il a existé toujours. Et bah t'as mouru. On va là, il t'a existé toujours après la grande tribulation, parce que c'est là ça s'en fait. Mon sayo, ces oiseaux du ciel qui prennent manger chayo dans le grand festin des dieux. Et puis les chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous libres et esclaves, petits et grands. Ok. Moun qui pas sauvé yo,
il y a toutes sortes de qualités de monde là-dedans. Même les gens qui sont faits, il y a toutes sortes de qualités d'individus. Alors que, lorsqu'on parle d'individus, alors que les gens qui sont éduqués, les gens qui sont millionnaires, même les gens qui sont secrétiers. Mais de la même façon, tout le monde sait qui parle de l'enfer, tout le monde qui est éduqué, c'est le chef militaire, le président, depuis que Christ l'a vu, le monde sait ce qui est vivant, il y a passé dans ça après la grande tribulation, parce que c'est le Saint-Christ qui vous fait apparition. Parce que la Bible fait connaître que dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7-8, le verset 8, là, il dit que Christ a détruit par le souffle de sa bouche un épisa qui s'est antéchrist. Et de pourtant, l'église fine enlevée, monsieur a fait apparition. La Bible explique que nous, depuis longtemps, il y a des rois. Il y a des rois, il y a des chefs, il y a des empereurs qui ont toujours fait tout moyen, façon, on ne peut pas capable de diriger la terre, mais ils ne sont pas capables. Il y a des gens qui sont arrivés saisis, ou bien gouverner un parti dans la terre, mais ils ne sont pas capables de gouverner toute la terre. Ça fait que vous êtes toujours en train de parler de guerre depuis longtemps. C'est pas qu'on y a guerre faite, mais depuis longtemps, ça fait ça. Empereur ça, il a toujours monté. Il a toujours voulu conquérir la terre, diriger toute la terre, un seul monde. Mais il n'y a pas de capable. La Bible parle de l'homme et puis ça, qui c'est antéchrist. C'est lui-même qui va arriver, faire ça. C'est une prophétie. Et il y a des gens qui disent que. En antéchrist, ce n'est pas yon moun, son système. Non! Antéchrist, ce sont moun qui est lié à antéchrist, il crée un propre système. Pas! C'est même genre gouvernement. Comment faire pour gagner gouvernement? Si pas gagner, des gens, des personnes qui vous forment. Comment? Faut gagner des gens, des personnes qui vous forment yon gouvernement. On prend exemple. Lorsqu'on parle de gouvernement, ou prend roi, ou bien président, il gagne chambre, il gagne des députés, des sénats, il gagne premier ministre, il gagne magistrat, gouverneur, et dans le gouvernement, ou joint policier, tout ça qui fait partie des affaires, politique. Tout ça, ce sont des offices. Office, comment dans le gouvernement, même j'aimerais vous avec vous. Nous dans le gouvernement, bon, j'aimerais même actuellement là. Moi, c'est Yon, moi, son chef, moi, c'est un soldat, moi, son militaire qui travaille dans le gouvernement de Dieu. Ah, mais c'est de la même façon. Antéchrist, là, c'est un personnage physique, diabolique, qui a sorti dans Satan même. Ça fait que, pour jouer un monde catholique, yo. Yo paraît avec Trinité parce que yo utilisé Père, Fils et Saint-Esprit pour yo paraît avec Trinité pour qu'à faire montrer que Trinité existait dans la Bible. Et puis pourtant, Trinité pas existé dans la Bible, mais c'est yo même qui gagne. C'est Satan qui gagne. Ou joigne Satan, ou joigne l'Antéchrist, ou joigne le faux pro. Le faux prophète. Il y a de quoi ça que Satan, il représentait Dieu, et puis Antéchrist, il représentait Christ, et puis un faux prophète, il représentait cet esprit, ça c'est la caille. Mais bon Dieu, si un seul bon Dieu qui gagne pas gagne deux, pas gagne trois, bon Dieu. Lorsqu'on dit Jésus-Christ, c'est de Dieu qui vous parlez. Lorsqu'on dit cet esprit, c'est de Dieu lui-même qui vous parlez. Mais Satan lui-même, il gagne Trinité, la caille. Lorsqu'on prend Antéchrist et le faux prophète, c'est bras droit Satan. Lorsqu'on prend faux prophète, c'est bras droit Antéchrist. C'est de deux personnes à ça que la Bible parle là. Lorsque Christ venit avec l'Église, après la grande tribulation, après le film passé 7 ans, parce que la tribulation a duré 7 ans, lorsque Christ finit pour nous aller dans le ciel, nous aller dans le festin, avant noce de l'agneau, qu'on y a là, a bien tribulation sur la terre qui a duré 7 ans. Après 7 ans, nous allons venir avec Christ. C'est là ça. Christ pourra détruire
l'homme est puissant. Et alors paraîtra l'homme est bon lorsqu'il fut lavé. Et puis la Bible nous dit que Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Amen. Christ vient pour détruire ici. Amen. Laisse ça. Antéchrist avec faux prophètes, il y a devant Satan dans l'enfer. Amen. Il y a devant Satan pour jouer le monsieur Sayo. Mais Antéchrist avec faux prophètes, il y a devant. Amen. Et puis la Bible nous a que dans le verset 7, dans l'Apocalypse, chapitre 20, il dit: et que les mille ans seront accomplis, parce que après la bataille d'Amagédon, qu'on y a là, à mille ans, avant de rentrer dans le millénaire avec Christ, Satan prend lieu pour mille ans. La Bible dit que quand les mille ans seront accomplis, au moins Satan prend relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, prend le gonnet des guerres. Le nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. A gofé qui a sorti dans le ciel là. A dévoré qui ça? A dévoré yo. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'état de souffle. Alléluia. Où sont la bête et le faux prophète? Okay? Faux prophète. Avec la bête qui est Antéchrist, yo a devant Satan. Et puis Satan, dans le verset 10, libra le monsieur Sarah au même côté. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. A que Christ, l'église pour le vivre par l'église, pour que l'église participe, pour que l'église pas passe dans la grande tribulation. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, nous, ouais que l'église là, n'a pas participé dans affaires grande tribulation. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, jusqu'au verset 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront comment? Premièrement, nous sommes là, qui demeurent qu'à fête lors de l'enlèvement. Les morts en Christ, c'est qu'à passer, ils ont ressuscité. Premièrement. Et ensuite, dans le verset 17, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec et sur des lieux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec eux. Comment? Avec le Seigneur. Nous avons guidé bagaille. Non, verset 16, verset 17. Premièrement, c'est la résurrection. Comment? Des morts, monde qui mourent en Christ, qui ont été ressuscités. Et puis, moi-même, ensemble avec vous, monde qui, encore vivant dans l'enlèvement, nous prenons le transformer. Et puis, troisième bagaille, nous joignons consolation. Amen. Amen. Et puis, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. On doit consoler. Faire quoi au ventre. Même quand vous souffrez actuellement là, faire quoi quoi? Consoler. Nous, ouais que, en proverbe enlever, d'après le mot grec là, mot grec qui traduit en thème ça, enlever signifie abazo. Abazo, il signifie arracher, il signifie saisir. Il signifie aussi enlever de force. On va dire en terme enlever, mot grec, on va qui définit c'est apazou. On va c'est arracher, saisir et puis enlever de force. Et la Bible explique nous même bagaille ça a été produit pour Philippe dans Actes chapitre 8 le verset 39. Il dit, quand il fut sorti de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva à Pazo. Il enlevait Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait Saul. Que les bons dieux étaient besoin pour Philippe, tal, instruit.
t'as aidé Éliclan qui était un parchemin Esaïen. Amen. Parce que l'autre, c'est comme ça que tu le eu un parchemin. Amen. Qui était les Saintes Écritures. Amen. Et prophétie d'Esaïe. Et puis, Éliclan, tu as compris. Philippe, tu as compris lorsque tu lis le verset précédent. Amen. Il dit, comment vous me faire comprendre si que je ne suis pas au monde qui peut aider? Et puis, et Philippe commence à aider. Pendant que Philippe commence à aider, et puis, il commence à comprendre. Et puis, pendant qu'il veut rejoindre l'eau, et puis, il s'est demandé, et lui demandé pour le baptiser. Philippe, vous savez, pas grand qu'à péché. Parce que, ou déjà recevoir la parole, et on comprend. Même côté, lorsque Philippe finit de baptiser, c'est là ça s'est passé. Même côté, l'Esprit de Dieu, lui enlever Philippe, à part, lui saisir Philippe, lui arracher Philippe. On va lui prendre Philippe de force, et puis, même côté, et nique la parole Philippe encore, et puis, la Bible dit, lui continuer route, lui, on va avec joie. Ah, mais c'est même pareil qui va le passer lors de l'enlèvement. On va, à part, ça, lui signifie arracher, saisir, enlever de force. Christ a passé, et puis la pièce prend l'église. On va, on l'a pas, on va Matthieu lui expliquer ça. Deux mondes qui doivent au même côté, monde qui prêche, c'est le même capsé. Christ apprend, l'a saisi, l'a arraché. Avant de commencer à regarder, nous a quitté la terre. Ou qui doit faire manger là, c'est regarder, on va ou pas sauter encore. C'est monter ou monter. On va qui doit prêcher là, c'est garder. On va regarder puis m'a monter dans les airs parce que première rencontre a fait qui côté dans les airs. Première rencontre Christ avec l'église, avec épouse lui, a fait dans les airs. Ça veut que épouse là sur la terre nous a préparé à que nous devons mener une vie de sanctification. Pour Christ enlever nous, pour Christ arracher nous de la terre, pour Christ retirer nous sur la terre, faut nous mener une vie qui droite. Faut nous mener une vie de sanctification. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, la parole de Dieu dit comme ça que rechercher la paix et la sanctification sans laquelle, ça passe, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. On va Hébreux 12, verset 14 dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ou besoin chercher la paix, ou besoin mener en vie de sanctification. Depuis l'église qui est. Sans faire ça. Bon, sans ça, pas de monde qui a pris Christ. Sans ça, ou pas enlevé. Même si on te porte l'église là sous dos économiquement, ou bien n'importe l'autre façon, depuis que ou c'est un monde, ou man qui est ennemi de tous côtés, ou marche, ou fait des gars, et puis ou mène toutes sortes de vie, ou pas de vie qui doit, pas d'enlèvement pour vous. Man, pas d'enlèvement pour vous, que c'est droit pour droit. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, personne ne verra le Seigneur. En d'autres termes, moun ka baigné dans le péché, pas d'enlèvement pour vous, pas de ciel pour vous. Pas qu'il y ait Jésus-Christ a passé pour nous. Non, pas qu'il y ait comme ça. Ce péché, on aime, retenez la péché. On aime fornication, retenez la donne. On aime adultère, retenez la donne. On aime vide de désobéissance, retenez la donne. Mais on même qui t'a aimé, pour que lorsque crise finit, pour le prendre, pour participer dans l'enlèvement, on a mis nos vies qui droit. On a efforcé. Même Jean-Christ dit avec les disciples. On va là, il a demandé Christ. Comment on a fait rentrer dans le ciel là? C'était comme ça. Christ vous a dit, efforcez-vous pour entrer. Pendant que tu es là, efforcez-vous pour entrer. N'importe côté où, ou tu es dans l'école, ou tu es dans la machine, ou tu es dans le travail, efforcez-vous. Efforcez-vous, ce n'est pas un seul jour. C'est pas un seul jour pour mettre au prêt. C'est chaque jour. L'église là doit mettre le prêt. L'épouse là doit mettre le prêt. Chaque jour. Mettre au prêt. Même avec yon fille qui marie, yon fille qui vous marie, toujours mettez au prêt dans l'esprit, pour marier, ou même dans l'église, nous supposons mettre un prêt dans l'esprit pour et pour nous, pour Christ, nous supposons mettre un prêt, nous dormi, nous mettons un prêt, nous levons, nous mettons un prêt, nous prenons le travail, nous mettons un prêt, parce que la vie de nous, pas qu'il est l'avenir, ou pas qu'il est l'avenir, pas de monde qui compte qu'il est l'avenir.
La Bible parle de ça dans Matthieu chapitre 24. Alléluia, Matthieu chapitre 24, verset 36. Pas de monde qui connaît qu'il est, le Seigneur Jésus-Christ a fait apparition. Lis texte ensemble avec moi, le verset 36. Lis pour ça que, dans le verset 36 de Matthieu chapitre 24, le verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et puis, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qui s'est arrivé du temps de Noé? Le verset 38 dit, car dans les jours qui précédaient le déluge, okay, avant le déluge, là, mais ça passait, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Que pendant Noé a prêché l'évangile, au bras, ouais, même ça, là, même, dans le même texte, oui. Pendant Noé a prêché l'évangile, ils ont ignoré l'évangile. Noé a prêché, et bon Dieu, c'est tellement, ils ont beau bon Dieu. Au bras, non, la Bible explique que Noé prend passé deux siècles. Au bras, non, pour prêcher l'évangile, c'est tellement Dieu, son Dieu d'amour. Au bras, Noé prend un siècle. Un siècle, lorsque on va le faire recherche, un siècle est égal à 100 ans. A que plus de 100 ans, mon Dieu prend. Parce qu'on dit que lorsque le monde mourit dans la désobéissance, le monde ça, il prend mon côté éternellement. Il prend là où l'on fait était éternellement. Il prend là où on place était éternellement. Mon Dieu prend plus qu'un siècle. Noé a prêché l'évangile. Mon Dieu pas jamais venu. Noé fait lâche là. Mon Dieu, à cette époque, la Bible dit, ils ont marié petit Dieu, ils ont aboué. Ils ont réjoui jusqu'à ce que, jusqu'au jour où Noé entra qui côté dans l'arche. L'arche qui s'est symbolisé bibliquement. L'arche là est symbolisé le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, car que lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur et maître de la vie, ou rentrez dans lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ, son symbole de lâche. Depuis qu'il rentre dans la salle, n'ont pas paix, n'ont pas péri. Depuis qu'il rentre dans la salle, même si il y a la pluie, même si il y a l'orage, même si il y a du feu, nous pas protéger. Ça fait parole, bon Dieu dit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, à qui nous en dans Jésus-Christ, nous reposer, nous en sécurité, nous en paix. La Bible dit, le verset 39, et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Tenez bien, oui. Jusqu'à ce que déluge l'en vini. Ils n'ont pas douté. Ah, mais c'est notre temps, ça la vivre. Au moment où c'est notre temps, ça. Dans l'époque, Christ a venu, la Bible, c'est comme ça la vient. Ah, mais c'est dans l'époque, ça la vivre. Ou pas, l'évangile a prêché. Ou est-ce qu'il y a plus de monde qui est dans l'église? L'église, ou a joué qui a plus de monde. Son série de l'église libérale. Ou pas comme ça? Qui théologie libérale, tout, oui. Ou pas comme ça? Chrétien, qui théologie chrétien, qui théologie qui toutes sortes de théologie, mais nous parlons de théologie libérale. Théologie libérale, là, c'est pour l'église, là, qui se fausse église, là, théologie libérale. Moun sa yo, ou abjouen qui en pile moun en dedans boîte sa yo, ou abjouen qui en pile moun devant les faux. Parce que mes devant, vrai homme de Dieu, ou pas jamais joindre un pile monde vrai. Ce n'est pas facile pour jouer un pile monde. On ne peut pas nous pas dire un pile monde devant nous. Malgré tout le temps, ça, plus de un siècle, 100 ans, nous avons prêché l'évangile. Pas que au monde qui a accepté. Cousin pas accepté. Papa pas accepté. On va le siroter, résister toujours. On va le famille pas accepter. Seulement petit garçon Noé avec madame yo. Et puis Noé avec madame ni 8 monde seulement. 8 monde. Ça veut dire que l'enfer a bien plus monde. La donne. L'enfer a bien plus monde qui rentre la donne. Que monde qui sauvait calme dans le ciel.
Avec plus bon, non. Mais après, comment nous arrivons dans cette époque là? On parle l'évangile après, je ne sais pas qui qui fait cadeau l'évangile. Bon, bon bagaille, c'est comme ça dit. Moun pa jamais fait cadeau bon bagaille. C'est ça que pas bon, les hommes toujours embrassés depuis longtemps. Ils n'ont pas jamais embrassé, considéré la parole de Dieu. C'est une faiblesse qui était toujours considéré la parole de Dieu. Ça veut que la Bible explique nous, même l'Esprit de Dieu n'est pas jamais sur l'homme. On va dans tout temps. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit bon Dieu n'a pas jamais resté sur l'homme. Tout temps, le bon Dieu a besoin de faire un travail, d'utiliser le monde. Depuis le travail a fini fait, et puis l'Esprit bon Dieu allait ou bien, le bon Dieu prend, et puis bon Dieu prend l'autre monde. C'est qu'on y a l'Esprit bon Dieu resté sous l'homme, la présence de Dieu. Nous, ou l'Esprit bon Dieu, nous allons côté nous avec l'Esprit bon Dieu. Mais l'arrivée en côté qui part de la chaque nous de Dieu, ça l'Esprit bon Dieu fait. L'irritire. Ça veut que la Bible dit dans Ephésiens 4, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé le jour de la rédemption. Dans l'Ancien Testament, on va prophète, on va messieurs, on pas capable d'aller côté où vous voulez avec l'Esprit bon Dieu. Non. Il n'est pas capable d'aller côté où vous voulez avec l'Esprit bon Dieu. L'Esprit bon Dieu saisit mon nom pour le faire travail pour bon Dieu. Depuis le travail à fin fête, soit bon Dieu prend mon nom et puis l'Esprit bon Dieu lit. Allez, mais qu'on y a dans le Nouveau Testament, l'Esprit bon Dieu, on va dans les sous nous. Apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Okay. Pour nous enlever lors de l'enlèvement, il faut le Saint-Esprit être constamment dedans. Pour ne pas rester constamment dedans, il faut vivre dans le péché. De pouvoir vivre dans le péché, on va ne pas prêter constamment dedans. Ça fait que, il ne veut rien dire au matin, hein. C'est pas tout le monde ouais, qui est pasteur, mais qui est chrétien, qui est économé, qui est mon pas mon Dieu. Mon qui doit prêcher, vrai, mais ça ne fait pas, il n'est pas pratique, il n'est pas mettre en application. Ton personne n'est pas qui sert pour le monde ça. Ok, il y a un pile bandit dans l'église, il y a un pile raquette dans l'église, il y a un pile voleur dans l'église, il y a un pile bâtard dans l'église. Il y a là comme un sous-sept, comme un serpent. Il y a une sous-sept moune, mais il n'y a pas chrétien. Moune sa yo, c'est même race moune qui t'est perdu lors du déluge. C'est même race moune, tu fais te tomber sous yo, lors à cette époque, de l'eau. On va c'est même race moun sa yo que vous voulez qu'on parle, c'est moun perdu. L'évangile prêché, yo pas attendre. L'évangile prêché, yo a fait logique, yo pas accepté la parole de Dieu. La Bible dit, le verset 40, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Capable qu'il y ait deux moun qui n'ont champ qui travaillent. Ça qui prêt, hein? Libralé, ça pas prier, la prêter. Deux femmes qui moudront à la mer, l'une sera prise et l'autre laissée. Et puis il dit, veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quel vers de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Qui mystère qui est là? Lors de l'enlèvement, pas que mon cap connaît, mais moi-même qui chrétien ou pas connaît, c'est garder où tu es prêt pour aller. Son mystère lié. Le mystère, mon pas à comprendre, mon pas à comprendre. Et si que, bon Dieu pas révélé, nous-mêmes, bon Dieu révélé, nous-mêmes, comment la fête. Mais mon qui sont chrétiens, ce sont des ignorants, ils ignorent, ils ne nous quittent ça. Il y a ça qui nous enlèvement, pas enlèvement. Lorsqu'on prend mon nom, qui c'est théologie libérale, lorsqu'on va étudier, il faut qu'on ait que Christ pas venu. On va pas qui a fait la croix. On va pas qui a fait le Fils de l'homme. Pas qui a fait la résurrection. Pas qui a fait l'enlèvement. On va c'est type de monde, ça y est. Il n'y a pas qui va faire ça. Mais nous-mêmes, bon Dieu révélé, mystère ça à nous-mêmes. La vie. Et lorsque la vie. Là pour venir chercher l'église là, moment ça a pris au moment c'est secret. Sans surprise la pied, c'est garder pied qui t'était à aller.
On va nous faire dit tout à l'heure, ou qui doit à l'école, ou qui doit dans le marché, ou qui doit dans le travail, n'importe activité ou à faire, depuis l'activité ça, on va il y a de nature à glorifier le nom de Dieu, c'est garder, ou aller, afin qu'elle nous veille, veille qui ça va faire. On va veiller quand on va aller, veiller sa bouche ou à dire, veiller sa yeux à regarder, parce qu'il y a un pile de monde qui dit aux chrétiens, mais pornographie, il n'y a pas jamais quitté, il n'y a pas jamais quitté le blog, il n'y a pas jamais quitté par les monde mal, il n'y a pas jamais quitté Judas, il n'y a pas jamais quitté le reste, on veille. Veillez avec les gens qui ont besoin, parce que trop peut la guerre pour le sonner. Très bientôt, l'enlèvement de l'église qui est pour le faire, nous qui est pour nous enlever, nous qui est pour quitter sa crise, qui est pour saisir nous de la terre, nous qui est pour nous aller. On t'a dit, m'a voltigé, à lui a pas longtemps, les crises finies. Oh, alléluia, n'a voltigé. À lui a nous terminé là, l'église n'a pas l'enlever. Alléluia, nous pas le voltigé. Est-ce qu'on prêt? Est-ce qu'on prêt pour l'enlèvement de l'église? Qui me dit, bon, mon papa, qui l'aura prêt? Est-ce qu'on pas prêt? Ce bagage, vous supposez prêt tout le temps, oui. Selon la parole de Dieu, vous supposez prêt tout le temps, mais que nous tous servons à faire. Bon Dieu, vous voulez faire un maximum d'efforts, qui ça, bas respect, qui est crédit pour bon Dieu. En tant que chrétien, n'importe quoi, il y a qu'on se chrétien, qu'on ne connaît pas le monde de ça, de gage, vous ramassez pieds, ramassez caractère, parce que c'est chrétien, vous n'importe là où qu'on voyage ça. On va voyager ça, on va dans yo kati on aller, c'est quand on garde on qui t'était on aller, sous pas préparé, sous nos ailes, sous nos corps, sous nos toute voxal, c'est quand on garde on répit aussi. La Bible dit lors de l'enlèvement. Lorsqu'elle finit de dire ça, pral gon courir sur la terre. Bon Dieu pas t'a même pour nous courir ça. Les pas t'a même pour nous moment de chargé, un moment de colère ça. Ça fait qu'il a passé prendre. On nous consolera avec parole, ça y est. On nous retient fidèles.